Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec évidemment la Russie. Et j'ai un petit souci là, c'est que pour l'instant je ne sais plus trop à qui faire la guerre. C'est assez compliqué, hein. Bon, la Lituanie, on est en trêve. La Livonie, je pense que la Livonie en fait ce serait la solution la plus simple. Ils n'ont pas beaucoup d'alliés. Je pourrais me réallier, je pense, après avec leur Teutonique sans trop de soucis. 27 000 hommes quand même. Et la Livonie doit en avoir un peu moins en général. Je me trompe peut-être. Ah non, c'est pas possible ça. Alors, leur Teutonique et la Livonie, sérieux. Ou alors ils ont beaucoup moins. Ah, ils sont que 10 000. Ouais, bon, alors de toute façon, pour l'instant, j'attends que les légitimisations soient faites. Je vais peut-être avoir l'occasion de faire une dernière revendication sur la Livonie, on verra. Ok. Je vais prendre ma doctrine, puisque je ne veux pas prendre plus de science, là. Si, si, je vais attendre. Le malus est quand même pas extraordinaire. Donc je vais attendre. Je vais encore prendre un niveau avant de faire une pause question science. Ah, sérieux, là, j'aimerais bien avoir le moins 30, là, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Ouais, il me manque encore pas mal. Bon, il me saoule les Cosaques, là. Pourquoi on a autant de chances de révolte que ça ici? Alors, le problème, oui, hein. Les Cosaques sont. Ah non, c'est les bourgeois qui sont bas, là. Alors, je pourrais prendre ça. En fait, je pourrais prendre les deux, là. Je vais prendre ça, un peu d'argent. Ça va les mettre à 22. Et je vais prendre ça aussi. Ça va les mettre à 37. Donc, j'ai progressé un petit peu. Ça va me permettre de peut-être faire un bâtiment ou deux. Ah, 17 et 11, là, il y en a des pas mal. Ouais, ça c'est pas terrible honnêtement. Peut-être une manufacture du coup à 37. Ça fera l'affaire. Il est important de continuer à faire des bâtiments, hein. D'abord parce que mon icône là va bientôt s'achever. Et puis parce que de toute façon il faut que les revenus continuent à augmenter en permanence. Donc faut pas que je m'arrête de faire des bâtiments comme ça. Dès que j'ai l'occasion. Ok, ça c'est cool. Plus qu'un. Alors, l'unité religieuse, c'est toujours pas tout à fait ça quand même. On n'est pas terrible. Ok, donc là, ça va repartir à fond puisqu'on va avoir moins de. Pourquoi me perdre, on est à. Plus 2, même sphère culturelle. Ah oui, permet pas de ma sphère culturelle, c'est vrai. Alors, je crois qu'on a encore un moins 3 de réputation, hein, c'est ça? On l'aurait jusqu'à quand? Encore 2 ans. Ça ralentit le rythme encore, ça. Bon, ceci dit, ça, ce sera fini en 63, et ça, en 73, putain, c'est long. Alors, les révoltes là. Ouais, j'étais obligé de mettre ma maintenance à fond. Je vais aller sur place. Alors, Nizhny. Enfin, je préfère ne pas prononcer ce mot-là. C'est tout en bas là. Et là, c'est Ust, je sais pas quoi. J'avoue que je ne sais pas où c'est. Je sais que c'est la seule province contrôlée par les Cosaques. Autonomie limitée. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas tout à fait contents. C'est ça qui génère autant de troubles. Peu importe, ça va passer.
Bon, je vais quand même vérifier que j'ai pas l'attrition. Là, j'aurais peut-être de l'attrition, honnêtement. Ouais, peut-être pas. Non, non, on devrait s'en sortir. Ouais. Blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, un maître instructeur à moins 50, ça m'intéresse parce que celui-là doit commencer à être vieux. 47 ans. Je vais quand même le prendre. Ou les 50 points militaires. Alors ça, je vais le prendre déjà. Ah, je sais pas quel est le plus intéressant. Ça, 47 ans, c'est pas si vieux que ça. Ouais, c'est parti. Il a quel âge? Putain, il a que... Il est que... Non, c'est lequel? C'est celui-là. 38 ans. Il sera un peu plus jeune, donc si celui-là venait à mourir prochainement, on aurait un remplaçant pas si vieux que ça. Un conseiller dit... je vais commencer à avoir une liste de conseillers, là. Impressionnant. Malheureusement, ils me servent pas parce que j'utilise que des conseillers à moins 50% pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Une question de droit. Ouais. Honnêtement, j'ai envie de renoncer à cette revendication. Elle me sert à rien à partir du moment où... C'est juste une revendication, hein, c'est pas un territoire légitime ou quoi que ce soit. Donc on peut on peut arrêter de revendiquer ça, très honnêtement. Si ça peut en plus améliorer nos relations, pourquoi pas. Bon, ça va bientôt disparaître. Du coup, là, ça va être largement accéléré par le fait qu'on va... On va perdre le malus sur la diplomatie, là. Prochainement. Ouais, ça, c'est bien. Hein. Et en plus, j'aurai un maître espion à 50%. Ça, c'est très très bien. Ah, tiens, on va peut-être justement devoir se servir de... De ce maître espion. Non, c'était lequel déjà? Ah merde, je parie qu'il est là. Ah non, il doit être niveau 2. Merde, c'était quoi? Bon, bah, je vais prendre un. Je peux prendre un niveau 3, même si je le paye le prix fort, hein, tant pis. De l'autre côté, 2 d'agitation en moins, pourquoi pas. Je pense que financièrement c'est supportable de payer plein pot. Ça devrait le faire. Ceci dit, là on peut faire disparaître cette révolte. Juste en se mettant dessus. Celle-là, elle a aussi disparu. Donc en fait, on va pouvoir mettre la maintenance à zéro. Non, d'ailleurs, je vais même pas mettre la maintenance à zéro. Je vais faire une guerre. Je vais faire la guerre à la Livonie. On va leur prendre toutes les côtes à ces nazes, là. Ah, je sais pas. Non, non, on va prendre les Tiganes, plutôt. Ok, ça, je peux arrêter. J'en aurai pas d'autres revendications, ça coûte trop cher. C'est bon, là, on l'a fait descendre. Peut-être encore un petit peu. Oui, la croissance de Saint-Pétersbourg, c'est parti. Du coup, on va avoir des boyards là qui vont... Ah putain, encore cet événement. Ah là, je vais prendre des points militaires, hein. J'en ai marre là. Je crois qu'il est encore vivant. C'est lui là. Donc on va prendre les points militaires cette fois. J'ai toujours pas la remise de 5%. Avec encore un mois. Parfait. Allez, c'est parti, on va se placer, tout va se passer au nord cette fois. Ce que j'ai envie de faire, mes navires ne sont pas au boulot. C'est pas cool ça, on pourrait bosser un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en faire d'autres. On est à 26 navires, ça augmente doucement mais sûrement. Pas encore notre point fort, hein, très clairement.
Merde, c'est pas bon encore. Alors là, il faut combien de points? Ouais, c'est bon. Il me faut 25 points maintenant, d'accord. Ok, tout le monde est là. On est... J'attends pas la... le reste, hein. Il en manque... Il manque une armée, mais ça suffira. Ah, il y a de nouveau la Lituanie. Ah oh, putain, j'en ai marre. Gênes, Livonie, Pologne. Je commence à en avoir marre de faire la guerre à la Lituanie. 23 000 hommes, ils ont forcément de moins en moins de troupes. Alors, le problème, c'est que ça fait 23 plus 24. Ça commence à être un peu chargé, là, quand même. Ah, oh, fuck. Alors, il me reste la solution de faire la guerre au Danemark, qui a pas d'alliés, qui a rien, quasiment. Le petit problème, c'est que j'avais besoin du Danemark pour récupérer ma... mon institution, puisque je voulais être ami-ami avec eux. Ceci dit, ça avance tellement pas vite, là. Ah, bah c'est pas grave, on va quand même faire la guerre au Danemark, hein. Ce sera dur de rester ami avec eux, mais... J'ai quelques revendications, a priori. Oui, je les ai encore. Ouais, j'en ai pas des masses. Si, j'en ai 3, c'est déjà pas mal. Donc, changement d'objectif, on va remonter, là. On va se positionner. Lituanie et Pologne sont alliés. Oh, je les vois mal m'attaquer quand même. Non, je pense pas. Allez, c'est parti. On peut déclarer la guerre directement au Danemark. Ah oui, en cas d'union personnelle, ça c'est possible. J'étais pas sûr en fait. Mais alors du coup, ça va être le Danemark le leader quand même. J'ai un doute tout d'un coup. Je pense que oui. Contact... ouais, je sais pas trop. Mais peu importe. De toute façon, il y a le Brabant, on s'en fout. Danemark, ouais, ok. Ouais, c'est bel et bien le Danemark, le leader. Donc, on va se placer là. On va, je crois qu'il n'y a pas trop de sièges à faire sur cette partie de la Suède. Il va falloir aller un peu plus loin. La question, ça va être de savoir si on peut traverser... Normalement non. Ouais, surtout que j'ai pas du tout de navire, donc on va pas traverser, on va être obligé de passer par le nord, donc ça veut dire pas mal d'attrition malheureusement. Et ça veut aussi dire peut-être qu'ils vont... Ah, qui c'est qui nous rejoindrait là? Non, non, leur teutonique pour l'instant on les garde en réserve. On va peut-être avoir d'autres occasions de... On va peut-être avoir besoin d'autres... Deux pour d'autres occasions. Ok. Alors j'ai vu que le Danemark arrivait, donc il faut qu'on livre bataille tout de suite. On va voir où ils vont se placer. Ouais, ils s'en vont là. Je les ai vus repartir dans l'autre sens. Maître instructeur qui vient de mourir. Parfait, on a un remplaçant qui est prêt à plus 3. Alors, il faudrait qu'on repère l'armée danoise. Je sais pas, pour l'instant, ils traversent pas. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait dans leurs intentions de traverser, là. Donc on va... On va continuer à avancer, plus ou moins prudemment. Non, il reste là, pas, sans bouger, donc on va attendre. Là, j'espère que j'ai pas trop d'attrition. Non, ça va. Ah putain, je peux toujours pas la prendre, là. Je ne sais pas quoi faire.
Il recule même là, j'ai l'impression. Je pourrais développer ma doctrine un peu. Enfin, je pourrais presque avoir le bonus de morale là. Ça veut dire que je renoncerai à ma science, mais bon. Alors, est-ce que je peux pas traverser à cause de la flotte là, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas de solution. Ouais, je vais continuer à avancer. Pour l'instant, ils reculent plutôt qu'autre chose. Ah, là, ils arrivent. Bon, on va se préparer. Peut-être qu'on va les voir arriver finalement. Ouais, c'est ça le problème, c'est que mon armée va y passer. Le problème, c'est que c'est des territoires immenses qui vont être... Ah putain, là on était pas mal. C'est bête que j'ai pas... Là ça vaut plus le coup d'y aller malheureusement. Ouais, on va y aller avec tout ce qu'on a là. Oh merde, ils arrivent nombreux là. J'arrive avec 52 000 hommes, ça devrait le faire. J'ai mis mon meilleur général sur le coup là. Alors, 27 mai, 27 mai, 9 mai. Ouais, celui qui a le 9 mai, il est bien. Il faut qu'il soit bien, parce qu'il va être un peu tout seul pendant quelques jours. Ah non, ça va. Il est pas vraiment tout seul. Donc on devrait s'en sortir. Ok. Et évidemment, il s'empresse de repartir dans l'autre sens. Mais ça va nous permettre de prendre Stockholm. Il me faudrait celui qui a un en stade de siège, ok. Ce qui compte, c'est faire le siège là, parce que ça fait trop longtemps qu'on... Ah, plutôt la 2 de puissance des missionnaires, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça pouvait pas mieux tomber. Alors qu'est-ce qu'il fait là? On va aller le chercher. Entre-temps, j'aimerais bien prendre ma science honnêtement, mais... Ça a l'air mal parti là. Je vais retirer mon général de cette armée. Faut que je le libère. Pour le mettre ici. Intégration de Riazan. Donc ça c'est parfait. On va revenir à 5 relations sur 5. Par contre, ça va devenir long d'annexer... Ouais, ça va devenir très très long d'annexer Perm. Mais c'est moins grave maintenant, puisqu'on est à 5 sur 5. Du coup, on est beaucoup moins pressé. Ok, donc là, on va se réunir. Donc on va mettre le moins bon général, là, qui est mon roi, d'ailleurs. Mais qu'il est vrai un peu moins doué. Ah, j'ai plus mon icône là, donc je pense que je vais prendre les institutions, hein, parce qu'il va falloir mettre un coup là-dessus. Et du coup, là, sur ma capitale, ça va se développer. 0,30, c'est pas terrible. Hein. Faut absolument que j'ai une province amie frontalière. Le problème, c'est qu'on va plus être trop amis avec la Suède. C'est pour ça que je voulais pas leur faire la guerre. Ah, c'est toujours pas bon, là. Alors après, je sais pas si c'est un problème. Ils sont combien? Ils sont 13. Ah, ils ont une meilleure artillerie que nous. Ils ont une meilleure artillerie, donc... on verra bien ce que ça donne, hein. Ils vont où, là? J'ai pas vu. Carélie blanche, ils sont repartis dans l'autre sens. Faut absolument qu'on se les chope. Merde, j'aurais dû attendre là, j'ai pas été assez patient. Là, on va essayer d'aller sauver cette armée. 5, j'ai peut-être pas assez d'hommes pour la sauver. Ah, ça va être chaud.
ça peut le faire. Ça dépend du temps de trajet en fait. Ouais, c'est bon. Du coup, il est parti. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, je vais prendre ça plutôt. La propagation sur Saint-Pétersbourg, 15 points de propagation. C'est toujours bon à prendre. Alors là, du coup, on peut un peu se diviser pour faire des sièges parce qu'on est un peu tout seul. Par contre, là, je me suis fait avoir. Et comment il passe à travers notre fort, là? Ça, c'est mystérieux quand même, parfois. Je me pose des questions. Ah, on va le choper, là. En forêt, malheureusement, mais... Je pense qu'on est quand même bien... On a le nombre pour nous, quand même. Faut pas exagérer. Donc, on devrait être pas mal. Alors... Du coup, est-ce qu'on peut passer là? On peut toujours pas passer. Hein. Donc, si je veux retourner là-bas, faut faire tout le tour. Oh merde! Perm va se faire massacrer. Ouais. Ah puis eux, ils ont été super rapides. Faut que je me méfie parce que je vais les voir revenir et moi, faut que je fasse tout le tour. Donc, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Ça, c'est pas l'idéal. Hein. Ah, d'un autre côté, là, on a bien progressé. Alors, question guerre. On a l'objectif de la guerre, donc ça progresse. Les batailles. Le problème des batailles. Qu'est-ce qu'on a perdu comme bataille, là? Après 6 combats. Ah, c'est mes alliés, là, qui perdent trop de batailles, quoi. Mes vassaux, pardon. C'est eux qui plombent mon score de guerre. On va se regrouper, là, parce que c'est ce que je disais. On est très très loin. Donc on risque d'être en difficulté. Ah, par contre, voilà, ça c'est cool. Du coup, ils peuvent plus passer, là. Voilà. Indépendance de l'église orthodoxe russe. La Russie revendique tout ça. Non, ça va pas m'intéresser. Je vais plutôt prendre ça. Honnêtement, c'est bien. Répandons la véritable foi depuis Moscou. Enfin, maintenant, c'est plus Moscou, c'est Saint-Pétersbourg. Mais enfin, bon, c'est pas grave. 52 points administratifs, donc ça je vais pas dire non. Faut juste que je consomme un peu de points là parce qu'on est trop. On a trop de réserves. Alors nos provinces, hop, on va se mettre là, peut-être celle-là par exemple. Ok, 50 points, 10 d'autorité, c'est assez énorme. Et puis surtout de l'opinion positive avec pas que mes alliés, mais des gens autour de moi qui pourraient se révéler intéressants, on va voir. En tout cas, j'aime assez cet événement. Ok, une conversion de plus. Alors, on va essayer de réattaquer. Je pense qu'on va être bien là avec 44 000 hommes. On peut toujours pas prendre ma science. C'est bien. Quand ils arrivent au fur et à mesure, s'ils avaient été tous les deux ensemble, j'aurais peut-être fait moins le malin. Mais là, quand ils arrivent de façon comme ça, séparés, je vais dire que c'est l'idéal. Par contre, on va peut-être pas faire 3 sièges d'un coup. Ça me paraît compliqué. Ouais, peut-être que... un siège serait plus raisonnable. Ouais, on va arrêter celui-là pour l'instant. Ok. On est à 21 de score de guerre, ça a bien progressé là. C'est dommage que je puisse pas passer là, il y a trop de navires. Du coup, cette île-là, je l'aurais bien prise pour contrôler le passage, mais je sens que ça va être difficile. Ouais, ceci dit, j'ai pas de revendication dessus non plus, donc... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ils sont un peu bloqués, je crois, parce que je suis bien, là. Ouais, je suis pas tout à fait bien partout, d'ailleurs. Ah, merde, je suis obligé de faire le tour. Et je pense qu'ils vont s'arrêter.
je vais en remettre une partie ici. Ah, ils sont arrêtés, mais là, ils y retournent. Je sais pas trop ce qu'ils nous veulent. Par contre, là, on va être le 10 octobre, le 15, donc ça devrait gérer. J'arrive avec 15 000 hommes, ouais. Je pense que ce sera pas mal. D'ailleurs, ils sont arrêtés. C'est pas l'idéal, hein. J'aurais dû faire qu'un siège au lieu de deux. Au début, j'étais parti pour trois, c'était n'importe quoi. Donc là, je vais remettre un leader. Je vais faire qu'un siège parce que je vais pas y arriver là, honnêtement. On va au-devant d'ennui. Déjà là, c'est pas terrible. Mais il m'empêche de passer avec ces deux là, c'est très ennuyeux. Et ils nous ont battus du coup. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est juste renforcer un peu celle-là pour pas qu'elle se fasse attaquer. Là, on va attaquer l'armée norvégienne. Peut-être même le laisser. Oui, ça, c'est pas plus mal. C'est en bois, donc c'est pas forcément l'idéal. Ouais, je sais pas quoi faire. Oh merde, il y a Brabant qui arrive, là. Ouh, ils sont nombreux, hein. 69 000, ils sont. D'accord, 69 000. Bon, bah, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Je vais regarder... Bon, on va pas signer la paix, hein, je crois pas, mais... Je vais regarder ce que je peux faire, déjà. Je vous laisse, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.